Professeur Egerix, vous êtes comme moi démographe et vous dirigez à l'Université de Louvain le Centre de recherche en démographie. Ce centre a publié récemment un texte dont vous êtes un des auteurs sur la Covid-19 en Belgique, étudié sous l'angle de la démographie. La presse nationale a d'ailleurs fait écho à cette recherche. J'aimerais à ce propos vous poser quelques questions portant sur les résultats de cette étude. Et d'abord, la Belgique présente les taux de prévalence et de mortalité dus à la Covid parmi les plus élevés du monde. Est-ce la réalité Ou s'agit-il d'un problème de collecte des données ou de mesure Je vais répondre en deux temps à cette question. Euh, premièrement, en fait, euh, faire des comparaisons au niveau international est un exercice qui est délicat dans le contexte actuel, euh, tout simplement parce que euh, les pays n'ont pas appliqué la même définition des décès liés au Covid. Euh, pour un certain nombre de pays, euh, on a simplement retenu les décès dits certifiés Covid, alors que d'autres ont inclus dans leur définition les décès dits suspectés Covid. De la même manière, dans un certain nombre de pays, on a uniquement enregistré les décès survenant en milieu hospitalier, alors que dans d'autres, on a pris en considération les décès survenant, par exemple, dans les maisons de repos et, euh, et de soins. Alors, en Belgique, on a appliqué une définition très large de ces décès liés au Covid, puisque l'on a inclus non seulement les décès dits certifiés, mais également les décès suspectés que ces décès aient lieu en milieu hospitalier dans les maisons de repos et de soins et même à domicile. donc dans un contexte dans une situation en fait où les décès sont aussi largement définis il n'est pas étonnant que la belgique présente des taux de mortalité par covid largement supérieurs à des pays qui appliquent une définition beaucoup plus stricte de ces décès. maintenant et c'est la deuxième partie de ma, de ma réponse Indépendamment de ces problèmes de collecte et de mesure, il est clair que la Belgique affiche des taux de mortalité par Covid qui sont relativement élevés. Alors, il y a toute une série de facteurs qui expliquent cette situation. Je vais en relever trois. Euh, il y a, premièrement, en fait, le problème de la densité de population. Donc, là, l'expérience des épidémies anciennes a mis en évidence que la densité de population est un facteur de propagation important. De, des épidémies. Il est clair que la Belgique est un pays densément peuplé. C'est un, un pays qui se caractérise également par une euh, forte mobilité de la population et potentiellement donc par une forte circulation euh, de la maladie du virus. Par ailleurs, un certain nombre d'études ont montré que même lorsque l'on contrôle l'effet de la densité, ça dire en fait que lorsque l'on compare des régions à densité plus ou moins comparable, eh bien la Belgique se caractérise par un taux de mortalité qui reste inférieur à celui de régions durement touchées comme dans le nord de l'Italie, comme par exemple en France ou certains états d'Amérique du Nord. Alors la deuxième raison serait liée à l'intensité des contacts que l'on a eus avec certaines régions infectées et donc à l'arrivée massive de cas de Covid-19 en Belgique à un moment où l'État n'avait pas encore pris finalement les mesures barrières, les mesures de protection pour lutter contre l'épidémie. On épinglera par exemple le cas de certaines régions de Belgique qui ont entretenu des contacts assez étroits avec certaines régions d'Italie, certaines régions de France déjà affectées au moment des vacances de carnaval. Et enfin, il y a le dernier facteur qui me semble tout à fait fondamental, c'est la situation finalement dramatique que l'on a connue dans les maisons de repos et de soins en Belgique. C'est-à-dire qu'à partir du mois de mars, on a observer donc une augmentation très, très importante et continue des hospitalisations avec un risque bien évidemment de saturation du milieu hospitalier et dans cette situation en fait euh, les maisons de repos les maisons de soins ont été quelque peu délaissées ce qui a permis à l'épidémie au virus de circuler plus ou moins librement euh, dans des milieux qui étaient peu occupés ou pas du tout équipés à ce moment-là en matériel de protection, et parmi une population qui est une population qui est intrinsèquement fragile, essentiellement une population très âgée et dans un état de santé généralement relativement, euh, relativement mauvais. Donc, ces trois éléments, ces trois facteurs expliquent selon moi, au moins en grande partie, finalement, pourquoi la Belgique présente des taux de mortalité relativement élevés liés au Covid. Oui, donc en partie collecte, en partie réalité en fait. Alors, les hommes et les femmes sont-ils égaux face à l'impact de la Covid sur la mortalité Alors, là, notre étude a montré qu'en réalité, euh, le, le Covid avait frappé, ou en tout cas la mortalité due au Covid observée durant, euh, durant les mois de mars au mois d'août, euh, avait frappé de manière différenciée les euh, groupes sociodémographiques. En termes de sexe, euh, si l'on regarde ce qui s'est passé durant cette période dite de surmortalité, donc grosso modo du 15 mars à la fin du mois de mai, eh bien, les hommes comme les femmes ont été touchés par cette surmortalité et en moyenne sur l'ensemble de la période, de manière globale, un peu plus les hommes que les femmes. Ce qui est conforme à ce qu'on a pu observer dans d'autres pays. Maintenant, si on observe de manière un peu plus fine l'évolution, par exemple journalière, euh, de cette surmortalité, eh bien, on constate qu'à un certain moment, il y a un retournement de situation entre les deux sexes. C'est-à-dire que euh, lors de la phase ascendante de la surmortalité, euh, celle-ci touche en moyenne davantage les hommes que les femmes. Mais lorsque l'on atteint le pic de surmortalité, grosso modo vers la mi-avril, et dans la phase descendante de surmortalité, cette fois ce sont davantage les femmes que les hommes qui sont touchés par cette surmortalité. Alors, selon moi, l'explication principale de ce renversement de situation entre les hommes et les femmes est encore une fois liée à la situation des maisons de repos et de soins. C'est-à-dire que, comme je l'ai signalé, euh, les maisons de repos étaient touchées avec un temps de retard par rapport à la situation générale, par rapport à la population générale. On sait par ailleurs que ces populations de repos, euh, ces maisons de repos, pardon, ces institutions accueillent davantage de femmes que d'hommes. En Wallonie, en moyenne, c'est quatre fois plus de femmes que d'hommes. Et on sait également que le taux de, contamin de contamination, pardon, dans les maisons de repos a été 3% à quatre fois plus élevé, corps maison de repos. Donc, ces facteurs, les interactions entre ces, ces différents facteurs expliquent, selon moi, ce retournement de situation. Quand on regarde les, les cartes de la mortalité, on observe les différences géographiques. Euh, les différences spatiales du, du taux de mortalité, toujours dû à la Covid, sont-elles restées immuables dans le temps Alors, euh, la distribution spatiale entre guillemets de la surmortalité présente d'importantes différences au niveau territorial. C'est-à-dire en fait que tous les territoires, toutes les zones habitées de Belgique n'ont pas été touchés au même moment par l'épidémie et n'ont pas également été touchés avec la même intensité. Par exemple, la zone de Mons, l'arrondissement de Mons a été celui qui a été le plus précocement touché par l'épidémie. Cette région se caractérise également par un niveau de surmortalité particulièrement élevé, au même titre que la région de Bruxelles-Capitale, au même titre que le Limbourg, et au même titre par exemple que la région de Liège. Alors ce qu'on a pu constater, c'est que, indépendamment de l'identification de, euh, de ces clusters, euh, la géographie de l'épidémie, la compréhension de la géographie de l'épidémie euh, est particulièrement complexe. C'est-à-dire qu'on aurait pu poser l'hypothèse qu'en réalité, cette géographie se calque assez étroitement sur la géographie sociale de la Belgique. Ce que l'on constate par exemple lorsqu'on travaille en termes d'espérance de vie ou en termes de taux de mortalité, il y a une relation assez étroite entre la répartition spatiale, mettons, de l'espérance de vie et euh, les caractéristiques sociales de la population, par commune, etc. Donc il y a un lien assez étroit entre cette géographie de la mortalité au niveau général et la géographie sociale de, euh, de la Belgique. Au niveau de l'épidémie, on ne retrouve pas en fait cette relation de manière aussi nette. Un simple exemple. Bruxelles a été particulièrement touchée de manière générale par l'épidémie, vers certaines zones beaucoup plus que d'autres. Parmi les zones les plus lourdement touchées par la surmortalité, eh bien, on identifie certaines zones très précarisées de Bruxelles, mais également certaines zones beaucoup plus riches, notamment situées dans les communes du sud-est de, euh, de l'agglomération. Donc, il semble en fait que tout un ensemble de facteurs explique pourquoi certaines régions ont été touchées avant d'autres et pourquoi certaines régions ont été touchées de manière beaucoup plus forte que d'autres régions. Une dernière question, si vous le voulez bien, et creusons davantage ces, ce problème des caractéristiques sociales. La Covid a-t-elle eu le même impact dans tous les groupes sociaux Et existe-t-il une interaction entre le groupe social d'une part et l'âge des individus d'autre part Avant de répondre à cette question, deux remarques préalables. Euh, les réponses que je vais apporter à cette question euh, reposent sur des analyses. Préliminaire. On vient d'entamer finalement un certain nombre de recherches dans ce domaine-là, des recherches qui nécessitent d'être davantage approfondies, notamment en recourant à des méthodes statistiques plus sophistiquées que ce que je vais vous présenter maintenant. La deuxième remarque, c'est qu'en réalité, dans l'état actuel des données dont nous disposons, il nous est impossible de distinguer les décès liés au Covid. Des autres causes de décès. Donc, on travaille en fait toutes causes de décès en mortalité générale. Alors, que donnent ces premiers résultats Si on observe simplement la distribution du nombre de décès selon les groupes sociaux durant la période couverte par l'épidémie, durant la première phase de l'épidémie, eh bien, on constate effectivement de profondes différences sociales. C'est-à-dire que 45 des décès sont attribués aux classes sociales défavorisées, pour moins de 10% au groupe social le plus favorisé. Donc ce sont des différences qui sont très importantes, mais qu'on retrouve quasiment exactement dans les mêmes proportions avant la période Covid. On a également calculé des taux de mortalité par groupe social durant la période de surmortalité, et on arrive au même résultat, au même constat. C'est-à-dire que l'on a des différences sociales qui sont très marquées, mais ces différences ne sont pas plus marquées en période Covid qu'en dehors de la période Covid. Ces premiers résultats, donc, semblent démontrer qu'il y a effectivement, et ça on le sait, des inégalités sociales face à la mort qui sont très marquées avant le Covid comme pendant le Covid, mais que la période du Covid n'a vraisemblablement pas. A priori, augmenter en fait ces différences sociales. Alors, c'est également le résultat auquel on aboutit en travaillant avec notre indicateur de surmortalité, indicateur qui sous-tend en fait l'essentiel de, euh, de notre étude. Alors, cet indicateur de surmortalité, c'est donc le rapport entre le nombre de décès observés durant la période Covid en 2020 sur le nombre de décès observés durant la même période, mais lors des années précédentes. Là également, lorsque l'on travaille avec nos groupes sociaux, on constate que durant la période Covid, durant la période de surmortalité, tous les groupes sont touchés par une surmortalité importante. Mais il n'y a pas de différence statistiquement significative entre le niveau de surmortalité des différents groupes sociaux. Alors, qu'est-ce qui pourrait expliquer cette situation qui apparaît de prime abord assez contre-intuitive Alors, pour moi, j'ai deux explications. Premièrement, euh, le système de propagation du virus par contiguïté, par proximité, système qui, d'une certaine manière, peut transcender les différences sociales. C'est-à-dire que, grosso modo, personne n'échappe finalement à ce principe de contagion. La deuxième explication pour moi euh, relève plutôt de euh, ce qu'on a appelé les comorbidités. Un certain nombre d'études ont montré que la comorbidité, c'est-à-dire en fait le fait euh, d'être affecté par certaines pathologies graves, comme par exemple le diabète, comme par exemple des maladies cardiovasculaires, accroît le risque de décès. Donc le fait d'être en mauvaise santé augmente le risque de décès du Covid. D'autres études ont également montré, au niveau de la Belgique comme dans d'autres pays, que les inégalités sociales de mortalité s'effacent lorsqu'on est en mauvais ou en très mauvais état de santé. Alors, cette situation générale varie en fonction de l'âge et varie en fonction de, du sexe. Par exemple, si l'on prend le groupe des 65-79 ans, un groupe, groupe d'âge qui a également été très affecté par la surmortalité, et eh bien là également on constate qu'au niveau de nos différents groupes sociaux, il y a des niveaux très élevés de surmortalité, mais là encore une fois, peu de différences, peu d'écart entre les groupes sociaux. Que ce soit pour les hommes comme pour les femmes. Par contre, au-delà de 80 ans et spécifiquement pour les femmes, là on observe des différences sociales en termes de surmortalité qui sont statistiquement très importantes. D'une part, et d'autre part, ce que l'on observe, c'est ce qu'on pourrait appeler un gradient social inversé. C'est-à-dire que ce sont fait les femmes du groupe social le plus favorisé, qui se caractérisent durant la période Covid par les niveaux de surmortalité les plus élevés, et les femmes du groupe social défavorisé, qui se caractérisent, elles, par les niveaux de surmortalité les plus bas. Alors, là encore, j'ai deux hypothèses, deux pistes d'explication pour euh, expliquer, euh, cette, encore une fois, cette, euh, cette situation qui paraît finalement assez paradoxale, assez contre-intuitive. Euh, la première piste euh, est liée à ce qu'on pourrait appeler un effet de sélection. C'est-à-dire que d'une manière générale, on a pu calculer que les femmes du groupe social défavorisé ont une espérance de vie de 7 à 8 années inférieure aux femmes appartenant au groupe social favorisé. C'est une situation générale. Et donc, dans ce contexte, on pourrait poser l'hypothèse que les femmes du groupe social défavorisé ayant une espérance de vie en moyenne plus courte, donc meurent en nombre, entre guillemets, avant l'âge de 80 ans et euh, ne subsisteraient au-delà de 80 ans que les plus robustes, que les plus solides et donc finalement, quelque part, les moins vulnérables à l'épidémie de Covid-19. A contrario, les femmes appartenant aux classes sociales les plus favorisées, disposant de ressources plus importantes, dont ayant a priori accès à des soins plus performants, seraient plus nombreuses à vivre au-delà de 80 ans en moins bonne santé et donc en situation de plus grande vulnérabilité par rapport, euh, par rapport au virus, par rapport au Covid-19. La deuxième explication euh, relève encore une fois de la situation en maison de repos et plutôt finalement de l'accès en maison de repos en fonction du groupe social. On pourrait imaginer, on pourrait poser l'hypothèse, encore une fois, en fonction des ressources supérieures dont disposent les femmes du groupe social favorisé, eh celles-ci attendent d'une certaine manière le dernier moment, compte tenu de leur état de santé, avant d'accéder à ces institutions. Et lorsqu'elles y accèdent, elles sont donc dans un état de santé plus fragile et donc encore une fois plus vulnérables aux effets du Covid-19. Merci, professeur Régorix, de nous avoir présenté aujourd'hui ces résultats très intéressants. Merci à vous.